Mixer, Bambara. Bonjour. C'est longtemps. Yeah, I'm back. J'ai fait notre truc avec Herbie. You're back. Yeah, I'm back. You're back for the cause. For oh, cause for the cause. Pour une belle cause. Tu as une maladie. Oui, qui s'appelle la bipolarité. Moi, voilà. On m'a dit une affaire, la première fois qu'on m'a dit, je suis africain. Hein, j'ai été psychiatre, mais j'étais bipolaire. Et j'ai compris, bien populaire. J'ai dit, mais je suis bizarre, je suis populaire. Non, non, il m'a dit, non, moi, bipolaire, je suis assez populaire. On m'a dit, non, c'est genre. On a besoin du public. On a besoin d'amour du public. Je le vois. On se sent, et ça crée une maladie même quand on n'a pas. Parce que tu reçois tellement d'amour, 2000 personnes te crient après. Tu n'as pas besoin d'une fille pour venir à l'hôtel. Tu te sens seul après. Là, on va te recadrer déjà, t'es sur ton X. Bah, je bouge pas, hein. C'est cloué. Quoi? C'est que t'es cloué. C'est mon clou. Ouais, ouais. Donc, faut pas oublier, c'est pour la santé mentale. Ouais. Ouais. Ça va bien. Ah oui, ça va bien. Oh, ok. Bah, c'est beaucoup pour les gens qui ont pas la tribune, qui n'ont pas l'opportunité d'en parler sans avoir les risques qui viennent avec. Moi, je me sens pas à risque de perdre mon emploi quand j'en parle publiquement. Et ces risques-là sont réels, tu sais, dans certains types de travail. Moi, ben, je chante, puis les gens pourraient décider de bouder ma musique en apprenant que j'ai des troubles anxieux, mais ça m'étonnerait. Ben, il m'est arrivé des épisodes d'anxiété alors que je n'avais pas de nom à mettre dessus. Ouais, tu ne savais pas ce qui se passait. Non, pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Puis tu sais, ça fait pas 100 ans, là. Ça fait 22-23 ans de ça. Puis là, c'est le bout sérieux là, qu'on se parle. Oui. Ok. Oui. Bout sérieux. Ça, c'est bien. 3, 2, 1, regardez-nous. Ben, c'est ça, c'est moi, le système très égocentrique que j'ai emprunté à d'autres réalisateurs qui ont fait ça avant. Et tout simplement, je me filme et j'essaie d'enligner la télévision. Le moniteur avec Stéphie en arrière. Donc, j'ai l'impression de regarder Stéphie dans les yeux et cette image-là est projetée là-bas. Et Stéphie me voit et une conversation avec moi. Donc, j'ose croire que mon visage est plus chaleureux que juste un trou noir. Mais c'est encore juste mon impression. Gros setup, hein? Ben, il faut, parce qu'il faut que ça aille vite. Donc là, on prépare la grosse campagne. C'est ça, exactement. Et donc, on tourne ici, ces vidéos, et de l'autre côté, on prend des photos. C'est important pour moi parce que c'est des témoignages de gens qui ont des trucs, des super belles histoires à raconter, des trucs très sensibles. Et là, j'ai la chance de vraiment avoir 10 minutes avec quelqu'un que je respecte, qui vient, qui est très courageux, de venir nous expliquer leurs problèmes. Pour avoir un ami qui a été malade, j'ai lui-même essayé, pour moi, essayer d'y en parler et d'avoir des conversations avec ça. Je crois que, encore une fois, c'est l'ignorance et on l'est tous. Je pense pas que c'est de la faute. Je pense qu'on a tous peur de parler de quelque chose dont on comprend pas la profondeur, on ne comprend pas tous les aspects. Merci. De rien. Merci à toi de nous aider aussi. Ça fait plaisir. Toujours là, moi, quand on me dit c'est pour la cause, je suis là. Cool. Moi aussi, je cause pour la cause. All right. Mais tu viendras te mettre dans ma caméra, tu vois. Ok, d'accord. Ok, on va le faire. Merci. J'aime les tapis rouges. J'aime beaucoup les tapis rouges et les stars. Ça, c'est pour ta mère.